installer tout le reste. Mmh. Au cas où qu'en manipulant, tu crois qu'on en casse. Ouais. Mais bon, j'espère pas. Qu'il soit comme ça ou comme ça, ça change quelque chose pour ton cercle. Il faut qu'il soit placé nickel. Ouais, s'il est placé comme ça, au moins, ça, c'est bien. A priori, il faut que je coupe vers là. D'accord. Mais bon, on voulait déjà voir quelle gueule ça avait. Et bah... Essayons. Ah oui, c'est démentiel. On peut s'étendre un peu partout, mais évidemment, on se retrouve toujours à ce cliché dans... Alors qu'il y a des milliers de mètres carrés d'espace. Je suis ravi de ma semaine, ça a été de belles rencontres et de belles réalisations. Et maintenant, bah, il reste quelques petits trucs à peaufiner, hein, mais le plus gros est fait. Là, on va tester les néons. Ouais, ça, donc ce qui fait que ça peut pas on les avait être démonté sans outils. Sans outils, ouais. Ça peut pas sortir. Le but c'est de créer un fil chaud un peu artisanal pour que lorsque je vais découper le polystyrène, il ne s'effrite pas. Que ça fasse une coupe relativement lisse. Mais j'ai pas trouvé l'outil dans les magasins de bricolage, alors on l'a fabriqué. Le problème c'est qu'on voulait chauffer pour éviter d'avoir l'aspect petit grain du polystyrène. Et du coup, on l'a quand même. Ça va être ou lame cutter tout droit, ou petite scie à métaux tout doucement. Et après, on sera obligé de réenduire de toute façon. Enlève le plus... ouais, prépare tes bords. Et après, on... Ouais. Ah, voilà. C'est les frites qui vont servir de banc pour que les gens s'assoient dessus pendant le film. On a tout fait de A jusqu'à Z. Une cinquantaine. Ouais, une cinquantaine. Fait, jaune. Jaune, quoi. Bien jaune, ouais. J'ai rêvé de jaune cette nuit, quoi. Et du coup, on pensait qu'on allait être là-bas, mais en fait, on est dans ce musée. Et du coup, c'est trop cool parce qu'il y a une ambiance bien sympathique. C'est historique. Et puis non, c'est cool de travailler directement avec les artistes. On travaille nous-mêmes sur les œuvres. Nous, on pensait pas du tout qu'on allait aider à faire les œuvres. On pensait qu'on allait faire du montage classique, quoi. Donc c'est assez cool, cette dimension artistique. Elle est trop sympa. Et elle nous a bien appris comment faire ces frites très pédagogiques.